Avec son originalité, comme je vous ai dit. Une bomba. Une bomba. Et Takam 2 est passé déjà à un chef. Je suis un petit chef, un petit fils du chef de la maison qui s'appelait Takam. Et mon grand-père, qui était son fils, avait supporté le nom de Takam. Mon frère qui nous avons créé le groupe, il s'appelle quoi? En fait, pour nous, c'est que pour moi, c'est que le premier, tu vois, c'est-à-dire que la combinaison du chef et de mon grand-père s'appelait Takam, c'est le premier Takam. D'accord. Et nous, on formait le deuxième. Takam 2. Pourquoi Takam 2? Ouais, mais c'est difficile. Après la mort de mon frère, j'étais en fait plus qu'un orphelin. Ça m'a beaucoup abattu. Mais grâce à certaines, j'étais à Sa Majesté le Bamenjo qui m'a retenu, m'a donné beaucoup de conseils, lâché parce que moi j'étais prêt à tout abattre. Mm-hmm. Mais ses conseils, tout ça, voilà pourquoi. Il a dit, tu ne peux pas. Ce fait, ça veut dire que tu auras trahi sa mémoire. Donc, j'étais obligé de continuer. J'ai mis hommage à lui. Et puis aujourd'hui, je suis à un niveau. Ok. Oui. Oh, mi menena, 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 oh, mi menena,
Je puis dire de l'enfance parce que mon père était déjà chef. Tu vois, mon grand-père qui était chef, de temps en temps, quand il y avait des danses, tu vois, traditionnelles qu'on allait un peu faire partout, j'étais toujours parmi, quoi. Ça veut dire que, bon, vous savez, on ne peut pas avoir autant d'enfants et puis les enfants sur la même lignée. Mais depuis 2 ans, j'avais souvent mes grelots que j'allais danser souvent avec mon père. Et c'est comme ça. Vous êtes né dans la musique. Oui, donc c'est comme ça. Vous arrivez même à Bamenjou, vous allez voir. On va vous parler de temps comme thème pour moi. Ça veut dire que les mamans qui. Vous allez voir les mamans dans les 110 ans qui ont le tatouage, qui ont les dents limées, que c'est mon grand-père qui le faisait à Bamenjou. Donc vous voyez que c'était un artiste. Donc c'est une lignée, même quand on dit jouer les tam-tams, que ce soit les danses, chez nous c'est quelque chose où on ne va pas trop à l'école pour ça. C'est comme ça, quoi. Ça dit que c'est. Donc, cette musique, en fait, moi j'ai commencé depuis l'enfance, mais le groupe Takam 2 même est né en 1985. Ouais. Et, bon, on a cheminé, on a sorti notre premier album en 92. En 2000, on a sorti Ningeni. Après ça, mon frère est décédé. Je suis resté sorti même en 2004. Et nous sommes en 2013, j'ai fait Tamka. Donc, c'est un peu comme ça. Yeah.
Bien sûr, vous savez que, c'est-à-dire, en fait, moi je n'ai pas un problème de composition, j'en ai plein. Je viens de sortir un album, mais si je trouve un producteur là maintenant, demain, je peux vous assurer, quand j'entre en studio, je peux vous sortir encore un album. Moi, j'en ai plein. Je n'ai pas eu seulement de chance, je n'ai jamais eu de producteur. Depuis 92, je me bats moi-même. Bon, de temps en temps, il y a aussi des problèmes. En 92, quand j'ai sorti ça, il y a le marché, l'incendie qui a brûlé le marché Mokolo. Ça, vous m'avez déjà sorti 11 000 exemplaires de cassettes. J'ai pris que 1 000 parce que je faisais aussi des affaires, c'est-à-dire que j'étais commerçant. J'ai laissé 10 000 chez le distributeur. Ça s'est tout brûlé. Ça m'a mis dans des problèmes. J'avais aussi emprunté de l'argent. Donc j'ai eu trop de problèmes. Mais ça n'empêche pas, je ne me suis jamais découragé. J'essaye. Donc, c'est comme ça. Et la piraterie, c'est la première gangrène que nous rencontrons au Cameroun. Quoi. Et la seconde, c'est que bon, l'État camerounais aussi ne se penche pas. C'est comme si bon, la culture, bon, ça ne les dit rien. L'État au Cameroun se penche plus dans le domaine footballistique. Quand c'est le football, bon, ça. Or, la culture, quand vous allez lire là, j'ai dit, un monde sans homme de culture, ni art, est un royaume sans chef. D'où viendra la lumière? Parce que la lumière d'un peuple, c'est derrière sa culture. Ce n'est pas derrière seulement les grosses voitures, ce n'est pas seulement ça. Donc, mais je ne sais pas si d'autres remarquent ça comme moi, ou peut-être parce que je suis sorti d'une famille beaucoup, tu vois, ancrée dans la culture, que je ressens ça. Bon.
Ouais, si je suis à Bruxelles, c'est que la famille Bamenjou, vivant à Bruxelles, m'a invité quoi, pour leur semaine culturelle. Ils m'ont invité avec le maître Kengo de Foix pour leur soirée de gala. Parce que ça, c'est leur semaine culturelle. Et ils ont pensé que nous, on avait une touche culturellement parlant à apporter à leur soirée. Parce que c'est des choses qui sont rares d'en trouver. Parce que c'est, moi, personnellement, c'est la première fois que j'arrive en Belgique. Et si je suis là, je leur tire un gros coup de chapeau que d'autres villages, d'autres régions camerounaises devaient se servir de cet exemple. Ne pas toujours croire que le bonheur sort d'ailleurs. Tu peux avoir le bonheur chez toi, tu laisses ce qui est chez toi, tu crois que c'est ailleurs que tu trouveras le bonheur, alors que le bonheur est déjà sur, le, sur tes pieds. Quoi. On a pris le pour le tour.
Non, c'est une très bonne idée. Vous savez qu'on avance, on ne recule pas. Ce n'est pas parce que peut-être je n'ai pas en ligne que je dois dire que ce n'est une mauvaise chose. Parce que déjà, la ligne, ça permet vraiment aux gens de découvrir. Or, nous autres qui sommes au Cameroun, moi personnellement, je n'ai pas encore ce genre de, tu vois, retard. Ça, j'en conscience que c'est un retard énorme pour moi. Parce que si j'étais en ligne depuis, peut-être venir ici avant de me faire découvrir, peut-être on m'aurait découvert longtemps avant. Comme moi, j'ai ça veut dire que je suis moi seul, je suis mon créateur, je suis mon producteur, je suis mon compositeur, je suis... Donc, vous voyez qu'à un moment, il y a des choses qui m'échappent. Et voilà, si j'avais aussi pu remplir certaines conditions, c'est-à-dire qu'être à la une, peut-être remettre ces choses à la page, ça m'ira droit au cœur. Je dis, en dehors du travail, ce n'est que le travail qui paye. Un homme qui ne travaille pas passer tout le temps à commander. Donc la jeunesse camerounaise doit se mettre au travail. On doit laisser de passer tout le temps seulement à se trouver dans les bars, dans les buvettes pour pouvoir faire un thé qui ne sert à rien. Les gens doivent au travail. Ce n'est que le travail seul qui peut faire que la jeunesse avance, que notre pays avance. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est que sur la jeunesse et la relance. Et je profite de l'occasion pour remercier Ramsès Image qui fait pour la culture, pour les artistes. Moi, c'est la première fois et depuis mon arrivée, depuis j'ai vu comment la manière dont Ramsès s'est dit. Et ça me va vraiment droit au cœur. Je pense que c'est vous, les jeunes, qui alors que nous aussi, un peu que nous sommes, qu'on va comprendre aussi. Parce que moi, je n'ai pas, je n'ai pas dans le côté où aujourd'hui, moi, je vois les gens aujourd'hui, tout ce qui se passe là, à mon temps, ce n'était pas ça. Bon, je pense qu'avec vos connaissances, on va... Nous allons avancer. Bema, avant. Bema. Eh, pour vous, pour Bema. Pour vous, pour vous. Eh. Ah. Et dans la Bema. Ah. 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 Ah, monsieur Ramsès, je ne peux, en fait, les images témoignent du public de Bruxelles seul, hein. Moi je n'ai rien à dire, parce que vous-même, je pense que les images vont exprimer ce que le public de Bruxelles a ressenti derrière le TACAM 2, quoi. Donc, je ne sais pas quoi dire, je suis tellement ému, tellement content, et par rapport au public, je ne sais pas, c'est un public de rêve, c'est un public qui m'a fait trop rêver, et je ne sais pas par quel miracle, si c'était possible de que ce soit comme ça là, tous les jours, vraiment, honnêtement, je serais l'homme le plus heureux de la terre. Donc, comment ça, le public a été très chaleureux, très réceptif, très courtois, et je suis très fier, et je suis content de revenir, si possible, de revenir à Bruxelles, pour, je sais pas. Merci monsieur Ramsès et merci pour tout ce que vous faites pour la culture camerounaise, pour les artistes camerounais.